Nous sommes ici à un endroit que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Vous voyez derrière moi le Panthéon. Et puis la rue Soufflot, tout simplement. Avec la rue Saint-Jacques qui est là. Jardin du Luxembourg en bas. Vous voyez peut-être un petit bout de la Tour Eiffel. Mais ici, on va revenir un peu sur la rue Saint-Jacques. Beaucoup de Parisiens pensent que la rue Saint-Jacques, finalement, c'est une invention de Haussmann, Second Empire, telle qu'on la voit aujourd'hui, en effet. Mais cette rue est d'une importance capitale depuis l'époque gallo-romaine. Vous savez que les Romains, très souvent, avaient un plan de grillage est-ouest, nord-sud. Et là, je vais vous montrer un petit document. Ici, la rue Saint-Jacques, nord-sud, c'était ce qu'on appelle le Cardo Maximus. À l'intérieur de Lutèce, c'était la voie nord-sud principale. Et vous voyez d'autres voies est-ouest. Il y a quand même un petit mystère. Où est-ce que les Romains ont été pêchés ce plan en grillage? Pas à Manhattan, hein, c'était un peu avant Manhattan. On pense que ça vient de chez les Étrusques. Mais les Étrusques, alors, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Parce que, aussi bien, déjà, à cette époque, en Chine, si vous voyez la cité interdite à Pékin, par exemple, c'est exactement la même chose. Nord-sud, est-ouest. Ah, mystère. On est ici, juste à ce coin-là de ce grand bâtiment. Vous voyez le grand bâtiment rectangulaire qui s'étendait 100 mètres de large ici et 180 mètres de long jusque là-bas, pratiquement jusqu'au jardin du Luxembourg. Et c'était le forum. Nous sommes à peu près ici. Le Panthéon est derrière. La rue Soufflot, c'est à peu près là. La rue Saint-Jacques est ici. Boulevard Saint-Michel, là. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait au forum? Le forum avait essentiellement trois fonctions. C'était un peu le centre de la vie de la capitale gallo-romaine. D'abord, une fonction religieuse. Vous voyez le temple. Ensuite, une fonction commerciale, puisqu'aussi bien toutes les arcades qui entourent le forum, c'était des boutiques. On vendait de tout et n'importe quoi là-dedans. Et la troisième fonction, à l'intérieur, vous voyez des gens un peu oisifs peut-être, qui bavardent, qui discutent. Fonction politique. Donc fonction religieuse, fonction commerciale et fonction politique. Bon, on n'a pas tout à fait fini avec le forum romain, il n'en reste pas grand-chose, notamment après la construction ici d'un parking souterrain qui a au moins 5 niveaux, sinon plus, dans les années 1980. Malheureusement, on a démoli à peu près tout ce qui restait des fondations du forum. C'est un peu dommage. Mais il reste un petit bout qu'on va aller voir maintenant. À côté d'une vitrine où on a pensé exposer tout ce qui reste du forum romain à Lutèce. Il s'agit probablement d'un bout de maçonnerie d'une des boutiques extérieures, dans les galeries extérieures, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et moi, ça m'attriste un tout petit peu quand je viens ici, parce que je pense qu'on a tout ça disparu. Il y a un peu plus de 20 ans, pour la cause automobile. Bon, on va se rafraîchir un tout petit peu les esprits dans la prochaine étape de notre itinéraire sur Lutèce. Ça va être les thermes, les bains.